Je suis monté en chair, mais j'ai prêché sans feu ni énergie. J'ai ouvert la Bible, mais n'y ai pas trouvé de lumière. J'ai voulu entrer en communion avec Dieu, mais tous mes efforts ont été vains. Et savez-vous quelle était la cause de ce déplorable état spirituel? J'avais prié avec mollesse et langueur. Oui, frère, me voici devant vous confessant mon péché. Je reconnais que lorsque mon âme a été en souffrance, j'avais à quelques degrés négligé la prière. Chrétien, voulez-vous être heureux? Priez beaucoup. Voulez-vous être victorieux du monde? Priez toujours davantage. Qui cesse de prier, cesse de combattre. C'est la prière qui préserve de la rouille les armes de l'enfant de Dieu. Veillons à ne pas nous laisser détourner de la prière sous prétexte que telle ou telle tâche est plus urgente, ce qu'elle n'est pas en réalité. Et ainsi à devenir négligent, paresseux, insensible et soucieux. Le diable, lui qui rôde autour de nous, n'est ni négligent, ni paresseux. Je répète ce que j'ai déjà dit à propos du Notre Père. Si le Saint-Esprit vient alors que vous êtes dans cette disposition d'esprit et prêche à votre cœur vous donnant des pensées riches et lumineuses, honorez-le en écartant vos idées préconçues, en restant tranquille et en écoutant celui qui parle mieux que vous. Notez ce qu'il dit, écrivez-le et vous expérimenterez ce dont parle David. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi.